Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle édition Ticket Live. Ça, nous connaissons Ticket régulièrement poté pour nous. Là, et je dis à Nap recevoir un monde qui pratiquement passé de présentation dans le domaine théâtre ici en Haïti, dans Umoto. Donc, je pense que nous avons de qui est-ce que nous parlons. Je dis à Nap recevoir Gaël, bien-aimé, qui va parler nous, bien sûr, de ACT, qui est l'école de formation d'acteurs, d'actrices, d'animateurs, d'animatrices, etc. Mais, nous parlons tout de Carioli, parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas Gaël là avec nous. Donc, je pense que nous parlons pour nous, t'aider, petit chose ça, moi-même, avec Gaël, bien-aimé. Allô Gaël. Comment vas-tu Cindy? Ça va et toi? Bon, on est là, contente que tu me reçoives, mais voilà, on compte là. Que tu reviennes ici après des années. 2018, ça fait longtemps depuis hashtag je suis Gaël 2.0. Et c'était dans le cadre du festival Quatre Chemins aussi, je pense, 2019. Ça. 2019? En 2018 et 2019. Oui, oui. Vous êtes tout jeune, là, ça me tape ce bois. Où t'es fait comme vie? Où t'es fait comme jamais? Alors, Gaël, dernière fois là où t'es lauréate pour résidence artistique et pratiquement là tout, non, ça c'est connu en Haïti dans le milieu théâtre là et on fait pas mal tout de festivals. À l'échelle internationale. Est-ce que nous avons dit actuellement, Gaël, bien-aimé, n'a plus rien à prouver? J'ai encore à prouver parce que je n'ai pas encore réalisé la création. Du coup, je n'ai pas encore produit mon œuvre majeure. Du coup, l'œuvre qui pour faire me dire, OK, moi, atteindre l'état de grâce là, non, beaucoup. Je travaille toujours, mais bon, après, si pays n'est pas comme ça, nous avons fait plus de choses. Parce que j'ai une capacité de travail bourriquée, mais ça m'a fait un pile. Et normalement, mon artiste, sous 12 mois, j'ai fait 3 projets. Come on! si les pays, si les si conditions réunies, come on! Ça n'a pas chai, mais en fait, je suis contente de ce que j'ai pu réaliser malgré que la conjoncture est difficile et aussi j'avais mis, je ne sais pas si je mets sous pause pour l'école, hein? Parce que mon paquet de bail, je n'ai pas monté sur scène depuis un bon petit temps parce que je suis en train de former des gens. Et en ce moment, l'école a pris une forme colle pour contre la machine est en marche et je peux passer du temps dehors, je peux aller en résidence, je peux en même temps, je sais que j'ai des cours à ACT et en même temps j'ai des créations. Je pense que nous mettons un jet qu'on nous en 2023-2024. Non, je vais bosser comme une dingue, je bosse déjà. Et ben, comme tu veux qu'on en parle, qu'on commence déjà par ce que je fais, donc commençons. Oui, oui. Et il y avait cet appel à la à création, appel à projet pour résidence d'écriture. Et son dispositif qui est ALCA, avec Institut des Afriques, avec plusieurs autres instituts qui mettaient ensemble sous toute région Aquitaine, pour recevoir un artiste, soit en Afrique, soit en Caraïbes. Alors, soit en Haïti, parce que c'est Afrique-Haïti, il était bien précis. Et donc sous tout candidat qui était voué au projet, je pense qu'il y avait quand même une centaine de continents. Donc j'étais la lauréate. Et c'est ça de ce nuit? Oui, pour ça de ce nuit. Par contre, ce dispositif a déjà une lauréate haïtienne qui c'est Darlene Gilles. Et donc voilà, je ne suis pas la première à gagner. Mais c'est la première à gagner au moment où ce dispositif a étendu la résidence plus longtemps et sur 3 villes, à savoir La Rochelle, et Limoges et Bordeaux. J'adore Bordeaux. Vraiment, j'ai un coup de cœur. Beaucoup de vin? C'est pas moi au pile du vin, non? Mais c'est la première fois que je suis arrivée dans une ville, je quitté la ville, j'ai un petit pincement de cœur. Il y avait quelque chose dans cette ville qui m'a fait « Girl, come back. reviens de ces jours, on est là pour toi et tout. » Et je pense aussi en Bordeaux, c'est Bordeaux marqué dans le sens que
m'a travail sous prochaine création maintenant justement côté que m'va raconter traverser en négresse. Pas bah, trop de détails, mais j'ai trouvé moi j'ai une bibliothèque musée sous esclavage, moi j'ai un paquet La Rochelle tout. Mais Bordeaux bon pas beaucoup à Nantes, mais Bordeaux à Nantes on ti gens puis on ti craspi sincère dans causer restitution mémoire esclavage. Vous senti au petit gens puis coupable. Petit gens puis coupable et donc j'ai trouvé plein de documents pour mon travail, j'ai fait plein de photos, je suis restée longtemps à la bibliothèque, je passe temps à travail. Donc voilà, résidence moyen tant mai février, il finit fin avril. Je suis restée en France parce que j'avais des festivals, je vais parler du festival après, j'avais un festival à Lyon. Donc voilà, donc son résidence côté enfin toujours moi même qui sont résidence son côté, yo bay artiste là pour l'acheter à travail. C'est des dispositifs moi-même avant que me quitter pays à la résidence, me baille tête ma résidence, moi arrivé Jacques Mel, moi mettre petit cob dans poche pour manger, moi fermer comme mon côté, moi était qu'on aller Caïmoine et des moines qui sur route Noah, toujours oublié non côté ça. Ce qui est embêtant, les moines sont gentils, ils me donnent à manger plusieurs fois par jour, mes petites gouttes cloches. Oui. Pour à la prière, 5 fois par jour. Donc, je me donnais des résidences. Et c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a des résidences en Haïti. Enfin, en tout cas, association 4 chemins proposer des résidences pour artistes. C'est vraiment bâtir sans moyen pour du chita à la travail. Nous avons besoin de temps. Je ne sais pas si on est signé notre artiste à faire des travaux, il fait 2-3 jours pour y vider. Artiste a besoin de temps. Et pour artiste a gain temps, faut gain l'argent qui là pour artiste la temps pour le travail. Ou besoin moi-même moi besoin temps. Tout à l'heure tu parlais de œuvre ça ou senti ou pour faire qui ca permettre au chita et puis c'est l'œuvre. Comment tu imagines cette œuvre? Je vais revenir. Je vais revenir sur cette œuvre là. Je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je suis beaucoup satisfait, de ça moi réaliser jusqu'où je connais parce que l'homme rivé sous lui m'a dit tu le sauras. Je te dis Cindy, je l'ai fait. Mais pour me finir à cause des résidences là qui est extrêmement important parce que depuis 2019 moi j'ai une chance rentrer dans dispositif Malchita écrit parce que c'est très important. Je dis m'a écrit théâtre. Me finir mort parce que gros carence ou bon absence considérable de femmes qui a écrit théâtre en Haïti. Et donc en ce moment bah elle a commencé et il y a les nouvelles dramaturgies avec l'association 4 chemins côté que gain 2 volumes et livres avec des textes dramaturgiques un paquet de femmes qui gain texte théâtre là en un moment théâtre contemporain. On est fier de nous, on est très contente et ça ne va pas s'arrêter. Donc justement pour causer et résidence tabzou que artiste besoin de temps pour travail, ça est extrêmement important. Pour me faire je suis Gaëlle prend 7 mois. 4 mois et demi d'écriture, 5 mois d'écriture. Pratiquement 2 mois répétition. Faut pas gagner sous compte. La femme mon là, à bord tu manger, tu comme camionnette. C'est vrai, ou pas faut que c'est ça on fait faut seulement. Faut que ça on fait seulement. Et ça c'est un combat que lié et ben c'est bon. N'a pas gomme pour un paquet de bagarre. En ce moment on a bataille pour nous vivre tout simplement dans le pays, mais bataille pour gagner moyen pour artiste à prendre temps. Ça qui est important. Donc j'ai eu cette possibilité là et voilà. Et Port-au-Prince c'est sa douce nuit. Oui. Parlez-nous de texte ça. Port-au-Prince c'est sa douce nuit, c'est un texte que moi j'ai commencé à écrire. Moi j'ai parlé de l'amour petit bon bagarre. Je me suis dit que transit, ça parlait de la migration. Il y a que ton règne vienne qui est dans l'anthologie, les nouvelles dramaturgies et des écritures pour la scène là. Que ton règne vienne, c'est texte que. C'est, en fait, que ton règne vienne, c'est le premier texte que j'ai écrit pour mon aller. C'est bon. Jodien, mon cap écrit théâtre, mon démarche, écrit. En fait, c'est fourré théâtre dans la littérature concrètement. Yeah. Tu vois, que les gens puissent, que tu puisses lire un bouquin de théâtre. Donc, que ton règne vienne, c'est pour mes travaux. C'est dur, c'est lourd. Mon a mouri, transit mon a parti. Oui, besoin d'écrire l'amour. Et puis, j'ai vu,
Je l'avoue, j'ai vu Malcolm and Marie sur Netflix. J'ai dit OK. Après moi, j'adore, moi, mes huis clos en pile. Et donc, ça m'a vraiment inspiré et de poser mes personnages de quelque part fermés. Et si, mon ouvert ordinateur, j'ai oublié ça, j'étais à La Rochelle et l'été dernier. Mon ouvert ordinateur, je tapais premier, je juste mettais didascalien, je dis que le couple n'a pas de paco, il y a une ville. Il y a une ville qui est silencieuse parce que moun yo terre la caillou et puis système enfin Port-au-Prince rentre dans pièce là. Les gens s'aiment mais la ville est dans la chambre. Ça veut dire grande tension, toute la tension dramatique, c'est ça moun a vivre parce qu'il a vivre dans ville en dans pays. L'amour, c'est qu'on l'amour impossible parce que la ville est cassée. C'est comme Jacques Prévert qui dit Barbara enfin dans son texte. Barbara qui dit Barbara quelle connerie la guerre. Tout ce que ce texte est dans ce dialogue amoureux, c'est qu'il y a une guerre dehors ou même qu'il y a ici dans Konson Gegang. Mais je n'ai pas nommé. Je n'ai pas nommé la violence. Tout ce que j'ai nommé dans cette pièce, c'est l'impossibilité de rester dans cette ville, de s'aimer dans cette ville. Et ce qui était pour moi une obligation, c'est que l'homme moun fin tendez pour Prince sa douce nuit. Port-au-Prince tête en bas bord de mon vie rentrer vinn kon Wishavan. I'm sorry. Moi il y a eu je te jure, il y avait ma sortie de résidence. Il y a une dame qui m'a dit c'est quand même impressionnant à quel point tu me donnes envie d'aller voir Port-au-Prince. Malgré tout ce qui se passe. Tout la rue Magloire-Amboise, rue de la Réunion, toute rue qui il y a 10 ans que me déconne passer en pile temps la nuit à boire bière. Yeah. Tout en dans pièce là. Yes, au bon goût. Comme si tu le savais. Comme si j'ai bien dit dans la pièce, un personnage dit comme ça, bien dans rue de la Réunion, un goût unique. Et la rue de la Réunion a inventé la bière. Elle est tellement fraîche qu'elle te dit à quel moment l'ouvrir. Tu vois, c'est là. Et c'est une manière pour moi de parler de cette ville qui fête, de cette ville avec des gens qui sont capables de fêter, d'aimer, de célébrer tout, de célébrer l'instant. Tu vois, nous pas gain loisir. Tu vois, ce couple raconte qu'il y a 10 ans, il était flâné dans Port-au-Prince, je ne veux dire, il a fermé la caille. Voilà, pour résumer, c'est ça. Donc, Port-au-Prince. C'était un peu de nostalgie aussi. Moi, nostalgie. Moi, tellement crié. Mon chapitre, moi, tellement crié. Je m'appelle crié pièce là. Bon, après, c'est très personnel aussi. Okay. C'est-à-dire que moi, Port-au-Prince, je toujours questionné causer fait dans Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince, son bas était en bas, son des autres Port-au-Prince. Tu vois, quand tu dis que tu viens de Jérémy, il y a quelque chose à Jérémy, quelque chose à Jacques Mel, bagaille au Caille. Tu vois, ville provinciale, yeah. L'autre bagaille. Tu vois, quand comme tu viens. Identité. Oui, oui. Mm-hmm. Quand tu viens de Port-au-Prince. Oui, ça c'est vrai. Ou nous gargotes. Tu te demandes, c'est quoi? Moi, fait, yon mardi, l'hôpital Saint-François de Sales, 2 h de l'après-midi, soleil chaud, machine, kafou fait à febri. Et finalement, moi, arrivé raconter ça, n'importe quoi. Moi, arrivé raconter une ville qui a febri, une ville qui a dormi parce qu'elle peut. Moi, arrivé raconter une ville avec moun qui remet. Et c'était extrêmement important parce que ce qui arrivait, c'est que moun yo connaît, moun yo te parlé de Haïti tête en bas. Et je me suis dit qu'avec cette pièce, je n'allais pas jouer la carte du misérabilisme. Pays à l'aide, pays à salé, pays nous lié. Nous, quand on dit là, dans le ticket, pays, n'importe qui. J'ai matin, on a dans le journal, on a plein Jacques Mel, saleté, on a plein, comme si on a quitté pays, on a fini dans le même. Mais si j'écris une pièce, et que, on va vivre une bonne chose, mon cher. Moi, je te jure, tu as envie de prendre une bière à Chavanne. Et ou à la rue de la Réunion, on pas connaît. Bien que c'est pas la même chose. Ce que je décris dans cette pièce, c'est pas pour après ça, pour tout ça pas existé encore. Je n'ai que 34 ans. Je suis partie dans des souvenirs quand j'avais 22 ans, Cindy. Pour tout ça pas existé encore. Tu t'imagines? Yeah. C'est quelque chose. Moi, je parle à ma mère qui voit les choses en couleur sépia. Tu vois?
ma grand-mère qui voit les choses en noir et blanc, moi je les vois là, cool, net, HD là. Yeah. Je les vois en HD. Et c'est tellement récent. C'est récent. Yeah. C'est récent. Donc voilà, Port-au-Prince à 12 nuits, c'est ça. Et en même temps, j'avais une commande de texte. Et mais en stéréo, c'est pour ce texte-là que je suis restée après ma résidence. Résidence finie, avril, mai, moi traversé Lyon pour aimer en stéréo. Okay. Pour, oui, c'est un monologue poétique. Et toujours petit, personnage à fermer. Personnage à fermer dans l'appartement, c'est une militante exilée. Mm-hmm. Enfin, on parle un peu de nous, en fait. Oui, oui, oui. Et donc voilà. Donc c'était ça, mon parcours pendant ces trois derniers mois. J'ai fini avec Port-au-Prince. Et puis, il m'a entamé l'autre création, tranquillement. L'autre Samzou, que me fait recherche sous lien. Mais c'est moi qui serai en scène. Je vais me mettre en scène et je suis en contact avec une superbe et metteuse en scène Wendez que j'ai rencontrée. Et à ça va le monde. Comme tu n'as pas tourné sur ça. Oui. Et donc, pour te dire que c'est. Moi, je comptais faire travail ça après tout le temps pour me faire. Prend tout le temps. Pendant qu'on parlait de ça, et puis, moi, dis-tête, moi, j'ai eu pas mal de bonnes expériences avec théâtre. Fais-nous connaître au plus alors. Mon cher! Son métier. Femme-zou, avant femme-zou que année ça, alors année passée, parce qu'il y a un lisant qui fait un lisant qui était fait en décembre, un lisant ailleurs qui était dit Eliezer, ça me dit Eliezer, son dernier lisant à faire pour quitter le pays. Il y a quelque chose où le festival est parti chercher les artistes. L'année dernière, c'était pratiquement ça. Oui. C'était l'année de la migration. Oui. Et ça ne s'arrête pas. Du tout. Et il est parti faire un film avec Reginald sur la migration, avec l'interviewé de trois artistes qui étaient payants. J'ai vu les vidéos. Oui. Et ça, en fait, Cindy, je pense que y a un cycle qui ferme. Je pense que jeudi, il y a un paquet d'artistes qui parle encore. Il y a un paquet d'artistes qui sont venus. Un paquet de belles artistes qui sont venus. Je suis inquiétude. Je me dis que ce sera toujours comme ça. Donc les artistes vont venir et partir. Nous n'avons pas besoin de base là. C'est bien d'aller voir du pays, mais juste quitter le pays. Hein, et même quitter le théâtre tout court, tu vois. Et ça, l'année dernière, ça m'a. C'était la vérité, son vérité que tu es deux fois, mais puis on me disait, mais ça, ça m'a fait grève, ça m'a fait théâtre. Comme ça. Je me suis posé la question, je me suis dit, bon, au final, oui, comment ça y passer? Est-ce que. Bon, je n'ai pas trouvé de réponse, parce que. Comme ça, ça m'a fait, hein, parce que même si je n'ai pas monté scène, je suis toujours dans l'écriture. Je pense qu'il y a, il y a autre chose que j'aurais aimé faire. J'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup manger. Donc, bien sûr. Et donc, bon, c'est que je ne sais pas, même tellement aimé théâtre, je n'ai pas prêté dans l'écriture. Bon, c'est ma prêté dans l'écriture. Donc, pour te dire que j'ai commencé à faire du théâtre avec Daniel, j'ai fini l'école. Vraiment, fait que je fais philo, je suis avec Daniel dans le petit conservatoire et j'ai trouvé ce métier avec toute précarité que le métier ça a rien à donner. Je n'ai pas fait théâtre dans bonnes conditions, sauf que qu'on y a pas grand espace du tout, espace fermé. Du tout. Pour insécurité, pour plusieurs raisons. Vous venez, je dis, on va même gal jouer focal, focal fermé, vous comprenez? Donc, même pas de jambes. Enfin, nous pas de jambes, t'es bon, là, même t'es contre, t'es gagné la rue, t'es gagné théâtre de rue, t'es gagné période festival 4 chemins. Oh my God. Bah, t'es chargé. Donc, moi, vivre de très belles expériences. Depuis un petit conservatoire avec Daniel, passer dans l'expérience personnelle moins, passer dans l'homme décider m'a produit, parce que j'ai fait mon projet de sortie au conservatoire, donc moi j'ai joué le genre et le nombre. Moi, nous trip, nous amuser nous, et puis je suis désolée. Plus belle expérience de vie, c'est théâtre. Théâtre fait mal visiter, fait quitter pays, à le visiter l'autre côté, à le travailler avec l'autre artiste. Je sais pas, c'est, je ne sais pas t'expliquer. Ma maman l'autre jour, mon maman me dit comme ça que, oui, mais Gaëlle, tu ne penses pas, parce que maman non stabilité, tu vois, parce que maman vraiment, ouais, m'a papillonné de bois à l'autre et puis, je me dis mais comment tu fais, comment pour ça revenir à ça? Je sais qu'elle a beaucoup d'inquiétudes parce que bah elle est pas stable, tu vois, elle ouais ça. Je me dis mais fais-moi confiance.
petits oiseaux dans bois noyé, n'a besoin de feuilles pour manger, n'a besoin de graines pour manger, me dit mais elle est toujours dans inquiétude parce que c'est vrai qu'on précarité, c'est vrai ou pas juste compter son métier comme ça. Mais là ou bon passion, j'aime bien passion et que moi je ne tout moi impossible pour me faire métier. Côté me chita là, c'est dit moi un texte me supposé voyer, j'ai une commande d'écriture pour un festival. On me paie pour le texte côté me chita là. Moi pas ni jouer, pas ni répéter. Côté me chita là, moi j'ai des ateliers de théâtre que m'a poussé. On me paie pour ces ateliers. C'est que même si me pas monter scène, théâtre là gagne l'autre modèle économique. Yeah. Bon, fais me cadeau en pays, m'a fait cadeau. On au industrie n'a créé parce que industrie théâtre là pas existé au bon bon on ose parler de HMI mais nous même pas que ça écoute ça donc sincèrement autant que moi vivre de belles expériences autant que moi gagne des inquiétudes qui le de jour en jour qui pas qu'on est moins très inquiète mais en même temps quand je vois des artistes de jeunes artistes comme Néhémie que me t'ai Cantave. Oui, qui sortit dans l'école. Quand t'as fou. Moi, je veux bien les étudiants comme ça. Pour faire un pont, pour faire un pont sur l'école, moi, je veux bien que tous mes étudiants soient comme Cantave. Abandonner la médecine pour... Vraiment. Non, mais il est... Monsieur Focus, même. Monsieur Focus. Et puis, il a compris. Non, il... Non, je ne sais pas. Je veux... La prochaine... Écoutez, si vous venez vous inscrire, par curiosité, ne venez pas. Si vous êtes fou. Parce que, bonjour, son pays qui est en bas, si ou pas... Sou pas non délire, sou pas non bagay qui pa nan, an yon pa nan plas yo. Pour qui sa pou nan plas yo nan rêve? Faut rêve ou foutu, faut rêve ou foutu, tu vois que c'est... Moi, j'aime pas qu'être bon monde que m'connais, qui rive nan se de point artistiquement, par exemple. Bon, par exemple, Cantave, mais yo travail du et puis yo focus. M'kon plusieurs moun, kade yo focus, sa fè a li a fè. Vous comprenez? En pile moun... Et si fè que yo gen rêve là? En pile moun pa ka rive fè ça. M'pa bal bon ou menti, là où tête famille et que mon la kay wap gado ou gen ti seti frère ou comprendre et que faut qu'on cherche un travail, il est pas évident pour venir dans acte. Pas ka bon menti. Ou ça arrive qu'on voulait faire étude dans un master class, mais l'étude même ou pas ka fait ou pas gen essai de poids qui sous dos, gen essai de complications qui gagne enfin complications, c'est des obstacles qui gagne. C'est pas un bon choix. Comment tu rentrer dans acte? Bon, tu poses une question ça. Et qui ça qui t'a poussé que l'école là? Le faire l'école là, c'est parce que pas de l'école. C'est tout. Pas de l'école. Trouvement de l'an passé, ça t'est pratiquement fermé un petit conservatoire et école nationale des arts en crise. Mm-hmm. Et moi, t'es bien. Moi, j'en préoccupé parce que j'ai estimé que moi connais des bagages que m'ont transmettre et puis j'aime beaucoup la transmission aussi. Mm-hmm. On va lever fond l'école comme ça. Fort fou. Au moins nous fait l'offre une fou ou une transmission. Les deux bagages différents. Donc ce n'est pas que enfin on essaie une équipe à vol cette idée folle. Donc là je salue Amos César, qui est le directeur de l'école parce que moi je suis la directrice pédagogique et artistique. Mais c'est monsieur César qui est aussi comédien qui fait un spectacle par contre son spectacle ça Villate. Il a fait un stand-up, mais vraiment dans... SM4 un stand-up évangélique. Ce monsieur t'a parlé de l'église, il est chrétien, c'était excellent. J'ai travaillé avec lui sur ce projet. C'est avec Amos et puis quelques autres camarades que nous avons monté l'école en 2018. Mm-hmm. Parce que pas de gain, faut une structure qui a formé. Nous avons besoin de professionnels. Faut que ce soit d'accord, n'importe qui gêne. Nous ne sommes pas capables. Yeah. Comme si d'accord, vaille que vaille. Non. Tu vois là où apprendre mon cap fait montage émission là apprendre faire. Il pas juste pas possible pour nous décider tout ça faire dans pays faut faire n'importe qui gens. Non. Attendez, l'école là nous on a formé n'a fait rentrer chaque 2 ans. L'école l'a formé. Donc là nous a combien de promotions? Nous avons pour 3e promotion. Okay. N'a formé, nous pas un problème. 10 monde nous a formé, n'a formé 10, on a formé faut mettre crème de la crème. C'est que chaque promotion a des échantillons là-dedans. C'est ça qui est important pour nous. Donc, on l'école. Supposez qu'il y a l'école musique dans le pays. Supposez qu'il y a un conservatoire. Supposez. Et dans tout le pays, vous comprenez? Ce qui me peine, c'est que je sens que si je fais un bagage, un gros projet, les gros projets, vrai, parce que je n'ai pas l'argent pour fonctionner.
pas gain l'argent pour rien en particulier en général pour bah sérieux en dans pays gon nécessité mais son bail normal pour gon l'école théâtre ça me dit comme c'est pas extraordinaire c'est quelque chose son big deal parce que m'a fait avec le peu de moyens on passe dans ticket pour me dire mes amis je vous demande vraiment si vous voulez contribuer écrivez-nous on va faire émission on va demander ça nous veut demander mais on va pas demander. Non, mais tu vois, c'est une école qui est là pour la communauté. C'est l'école là pour la communauté. Hein. Le prix que les étudiants paient pour les deux années de formation, je ne peux pas répéter. C'est un cadeau pour deux raisons. Parce que je connais étudiants qui voulaient venir faire théâtre. Mon laka, il n'y a pas de chambre chez Taboula pour payer l'argent pour lui. Et il n'y a pas de cobla. Donc, l'équipe là pour chercher une solution, nous dit bon, mais ça n'a pas fait. Nous avons besoin tant cobla pour chaque étudiant. Mon étudiant frère, mais nous allons chercher des parrains, des marraines qui peuvent faire des cobs pour étudiants, pour capables de joindre les bouts. Pour capables de joindre les bouts. Enfin, et puis, on fait un petit rapport, nous voyons tout le rapport par les parrains, marraines, on dit, mais qui ça cob la fait, mais qui étudiant, non, mais sérieux, mon ami. Mon bien. C'est vrai, nous allons dans l'ordre. Mon ami dit, il y a deux mondes, monsieur, l'année dernière, qui écrit sur Internet. Je me disais numéro de téléphone maintenant, je suis là et il écrit monsieur, vous voyez comme pour 4 étudiants. Mm-hmm. Vous comprenez? Après, il a eu un rap, il sait, il connaît les étudiants, tout le monde. Donc, nous avons cherché notre modèle économique. Nous avons des parrains de marraines, on fait des projets aussi. Donc, sur ces projets, on met à côté pour l'école, on fait le projet avec, on fait avec le reste des sous, on fait le projet évidemment. Et puis, on a cherché subvention, on a cherché support, on a goûté. Et si on nous dit, mais là, nous avons un pays où ce que tu as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, pas d'infrastructure pour les gens qui font théâtre, pas même un côté pour jouer, et qu'on a ici un jeune hésité. Bon, on a bien raison pour l'hésiter. Mais, pendant qu'on a hésité, hein? Quand tu avais en train de tourner dans tout le pays, pendant un petit temps, il y a deux étudiants qui sont dans la Cité internationale des arts, qui ont fait la France, qui ont fait les projets de sortie. Pendant un petit temps, il y a un partenariat avec l'école à l'étranger, côté que les étudiants ont fait stage. Pendant un petit temps, l'école à lui-même travaille, nous ouvrons ce monde-là. Parce qu'en fait, tu es bon, tu es talentueux. Et une chose qui gagne, c'est que, moi, je ne suis pas que là. Bad gens moi que là bad gens moi que bout Port-au-Prince malheureusement journée jodi hein enfin yo isolé nous de reste ville de province yo. Mais il y a plein de choses à faire et puis depuis gain public gain de gain moun nous ka fait théâtre pas gain salle n'a joué n'importe qui côté nous jeune n'a joué depuis gain public gain moun n'a joué puis bon après ben c'est pays a pas carré comme ça samedi on joue matin n'a gain belle salle spectacle. Et un jour matin, Triomphe à l'ouvrir. Pour ce ça me dit, moi je me dis, parce que si n'a pas tant que faut que. Bon, là. Un grain d'être qui dit, père, va changer. ça va perturber. Parce que le monde, là, puis gros passant, qui a vécu plein de choses. Babli blanche, je dis, père, va changer. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la défaite ou. Bye. Un désespoir. En même temps, je comprends à l'âge, je me dis, est-ce qu'à 34 ans, je me dis, père, va changer. Si je me dis, est-ce qu'à l'âge, je me dis, père, va changer. Parce que moi, ce que je fais en tant qu'artiste, ce que nous faisons, par exemple, avec, par rapport à l'école, c'est contribuer dans le changement. Tu n'as pas de l'école, tu as l'école. Pas de formation professionnelle continue, tu as formation professionnelle. Tu as un changement. C'est un grain de sable, mais peut-être. Nous, il apparaît insignifiant, mais son contribution. Donc, c'est Pierre Paou. Oui, oh oui. C'est. Ah, bah, Pierre encore là. Ça son dalle. Ça son dalle, va me couler, Cindy. Par là, son dalle, va me couler. Mais oui, c'est notre contribution. Et là, justement, inscription pour troisième promotion, c'est ça? Inscription pour troisième promotion, on commence à être en main déjà. Et nous sommes capables de passer dans le local 18 et passe Baron toujours. Et puis. Nous allons aller sur page Facebook et parce que c'est vous qui avez tout numéro de téléphone yo. Mais nous allons aller sur page Facebook Act sur page Instagram tout affiché là tout info là nous allons passer dans le local là. Bon pour passer dans le local on a pas information entre mercredi et vendredi entre 10h et 2h l'inscription c'est à 1000 gold
là vini en moins inscrit et pour n'a bon texte tout monde qui a inscrit pas bon vous venez inscrit oh, oui entre 19 et 28 ans en tout cas idéalement qu'on bral gain 28 ans qu'on gain 27 tu vois c'est pas grave c'est pas grave nous non faut que jeune ça que fait ça OK Jeffrine Gonivo grand moun ou rien. On pas gonivo folie, nous besoin. Non, faut non, on a besoin, nous besoin. Généralement c'est des jeunes moun qui intéressés avec type de formation ça et tout. Mais surtout par contre on est comme d'expliquer ça. Enfin, ouais, on a besoin de jeunes vraiment. Comme j'ai dernière fois nous t'ai parlé avec au boutique et tout. C'était même inscription qui t'a gagné tout et pour te demander où sont passés les hommes. Oui. Non, c'est ce que oui. C'est les dames seulement. Oui, je vais revenir sur l'état des lieux. alors, on passe inscription en 1000 good et où carré tout. Les numéros sont sur nos pages et Instagram, Facebook pour prendre information, on WhatsApp nous tout disponible, on besoin toute information qu'on besoin. Par contre, il y a bon un texte pour venir passer audition. Les auditions auront lieu vers la fin du mois de juin. OK? Et puis on a fait une sélection. C'est-à-dire que nous pas prendre tout le monde, on a fait une sélection, on sélectionne les meilleurs. Et je pense qu'on a sélectionné vraiment un beau groupe cette année. La formation dure 2 ans. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on a mis toute la formation vraiment sur la première année, donc les cours serrés. Et puis, il y a l'autre cours dans la deuxième année, mais les étudiants ont plus de temps pour créer. Donc, nous faisons inscription chaque 2 ans. Donc, on est mai 2022. L'école a ouvert en septembre 2022. Prochaine promotion, on a pour recevoir en septembre 2024. Donc, voilà. Pour plus d'informations, allez nous suivre. Allez, on a de belles pages. Oui, Instagram, Act et École de formation d'acteurs, Act Haïti. Si vous tapez Act et que vous voyez le sourire, les deux moods, donc la tristesse et le sourire, donc tragédie et comédie, donc nous capables de n'a pas joindre pas jeu et puis n'a pas capable joindre toute information. N'hésitez pas, écrivez-nous en DM Insta, écrivez-nous sur Facebook, écrivez-nous surtout par mail itact@commercialgmail.com. N'a pas répond nous et puis pour les gens qui veulent participer, j'ai une vidéo qui sur YouTube l'école là m'a expliqué que j'en si on monde veut contribuer ou qu'a écrit nous par mail tout pour vraiment rentrer en contact avec nous pour nous dire qui j'en ouvrez parrainer un étudiant qui j'en au café li qui j'en combien ça va coûter qui quantité étudiant qu'on voulait parrainer et qui projet tout qu'on voulait parrainer parce que gain plusieurs projets ou ka parrainer un étudiant et ou ka participer dans projet de sortie en étudiant c'est-à-dire que là on dit qu'un étudiant un projet de sortie nous OK mais budget projet de sortie en général. Donc voilà. En fait, moun qui voulait parrainer des projets de sortie, t'as supposé suivre un étudiant à la longue pour le voir qui étudiant. Ben, par exemple, après première année, il a écrit, il dit Gaël, qui étudiant pensait qu'il est capable de parrainer. Pourquoi ça qui parie à étudiant qui a un projet de sortie qui est plus proche, là, capable de. Donc voilà, il y a plein. Rentrez en contact avec nous, itact@commercialgmail.com. L'état des lieux maintenant. L'état des lieux. Alors. Monsieur Vini. Bon, j'ai quand même. On est 14 et il y a 3 garçons. Mais la mieux littéralement plus intéressant. Dis-le ça. Faites un peu d'effort, messieurs, parce que là, cette année, si nous n'avons pas de qualité, nous besoin, on va se faire l'école, mais. C'est après. On reste avec les filles. Non. En fait, il y a quelque chose, enfin, j'ai constaté que en 2006, enfin 2007, l'homme d'a fait théâtre avec Daniel, t'es plus garçon que fille. Je dis, mais que j'ai même quantité. Parce que tu vois, quand on fait des exercices, il n'y a pas assez de garçons pour les exercices et tout. Mais moi, t'as souhaité que monsieur, par contre, que vous voulez, que nous envie ça, nous envie faire théâtre. Parce que monsieur, on m'a délagué, et moi, c'est tout bon. Et ta mental, moi, n'y a pas en forme dans le pays. Hein. Et je l'ai vu avec mes étudiants, psychologiquement. Il y a quelque chose et les filles étaient plus, c'est plus facile pour les filles en dépit du fait qu'ils ont déprimé, ça n'a rien pour faire. Mais monsieur,
Ah, monsieur, allez. Il y a quelque chose. Mais gen, monsieur qui l'a eu, ça va. Ça va. Mais ça, il a quitté l'école là. En tout cas, on est 14. Les filles sont superbes. Voilà. Ok, la vie de Gaëlle est aussi jalonnée, c'est pas seulement théâtre. Il y a des militants là tout. Oui. Et ils sont activistes. Gaëlle continue-t-elle de corriger les mœurs en riant? Oui. Et ça ne va pas échanger un petit peu. J'ai mis de côté l'humour pendant un petit temps parce que on n'a pas parlé de cause de santé mentale. Pour mes contextes humoristiques, il faut prendre un peu de distance avec un peu de bagaille. Il faut avoir une légèreté. Il faut avoir une trip. En ce moment, je prends tout à cœur. Je suis en pile. Dans ce moment-là, je pense que j'ai pratiquement 2 ans. Je crie en pile. Je crie, je crie, je ne suis pas bon même. Et psychologiquement, je ne suis pas en forme. C'est plus facile pour moi d'écrire. Je suis à 2 semaines, mais je crois un monologue 16 pages. Donc ça me zoome pourtant mais qui pour après ça douce nuit, tu vois. En fait, en ce moment c'est compliqué de revenir sur l'écriture humoristique, mais je vais y revenir. Je vais y revenir. Là, je suis en train de travailler sur un 30 minutes stand-up. Baron Guylaine Brel, mais nous allons compter. Et mais voilà. Donc c'est extrêmement compliqué parce que la vie militaire, enfin, tu sais, prend position dans le pays, tant qu'au Haïti, côté que crime, dilapidation fond, comme si corruption systémique, endémique, c'est dresser face à des mondes déjà qu'on ne connaît pas, qu'on pas même moi, et qui ont pouvoir de contrôler, il faut n'importe qui bagaille. Et faut que moi, te, un jour matin, me dit Gaël, ou pas qu'à lever quitter pays en tant que tout le monde camper goumé faut me décider ça un jour pour moi te comprendre que me te comprendre dans qui point pays a comme ça. Et donc la militante comédienne qui doit faire rire est dans quelque chose, enfin il faut que je me remette, il faut me chercher tête moi, faut me revenir pour me frapper mon dieu mon bon tap. Tu vois, pour yon rire en blague là, pour yon fâcher en même temps. Bon, mon titan. M'en vini. Et aussi, par rapport au fait que je sois militante et artiste aussi, travail de création, tout. Impliqué, enfin, travail de création, poser problème qui préoccupe. Justement. Voilà, ma création est féministe, ma création est elle lutte pour le bien-être. Mon création est vie vive. Travail moi c'est en vie vive, travail moi c'est l'amour, bien-être. Et par rapport à toute crise ça que n'a pas confronté jeudi à ou ce qu'on dit d'ailleurs, c'est une crise qui est systémique, multidimensionnelle et qui répond au pensée capoté dans ça n'a vivre là. Nous toujours, artistes toujours, gain prétention que artisans yo capable changer un paquet de bagaille. En fait, j'ai compris que là on n'allait pas changer le monde, mais ça bousculait des choses. Ça provoquait des discussions, ça provoquait. En fait, je sais pas si tu me comprends. On a fait bouger les lignes. Et je dis bien de sujets les camités. Oui, fait débat et ça arrivait très très loin tout. Vous comprenez? Mais surtout là m'a toujours comme tu as dit attisa et réparé. C'est que son côté moi rejoindre tête moi comme monde, moi jeune force pour me camper, pour me vivre. Parce que là vivre dans pays, vivre ses premières batailles là. Pour respirer dans le pays, pour camper, pour vivre, pour être demain dans le pays, en son lutte liée. Et du coup, créer, moi je me rappelle, en 2019, Pays Loc, Festival 4 Chemins à Fête, je me songeais, nous avons répété, nous avons tiré sous boudon, nous avons répété dans l'espace sous boudon. Nous tout à terre. Je me songeais, ça a que ma batte fort et tout. Puis nous allons gros souffle, Cindy, nous recommençons la répétition. Dans. Ça, vous nous fait. Quand on a passé pour nous donner la caille, bon de à pas, bon de à chez nous entre nous là,
c'est comme ça qu'on a respiré, c'est comme ça qu'on a vivre, c'est comme ça qu'on a campé, c'est comme ça qu'on a fait. Donc pour moi-même, en tant qu'artiste, art est toujours, on ne peut pas dire en thérapie. Mais si on a un projet de création, on ne peut pas me mentir. On pas besoin de moi. On ne pas besoin de moi pour atteindre moi. Ça me dit, on pas besoin de moi pour. Quoi que ce dernier temps, pays a affecté mon pied, ça a passé dans le pays affecté en pile en pile. Vraiment envie de venir avec Grindan, convoquer mon yo, dire, OK, maintenant tel côté, vin Grindan avec moi, j'ai envie de faire ça. Vraiment. OK, et là, nous allons tourner sous acte tout petit avec podcast Neges Djougan. Oui. Madame Bien. Ah, c'est bien, ma fille. Comment on le vient? Justement, podcast ça qui est animé par trois femmes, oui, il faut que nous disions. Et parlez-nous de lui. Comment ça est? À combien d'épisodes nous y est actuellement? Là, nous allons sortir le sixième épisode, nous. Mm-hmm. Nous supposons la guerre 10. Et jusqu'à ce que nous la guerre 10e, nan, bloc novembre 2022 à là. Alors, Neges Djougan, forme du que son commande que il y a Audacio. Okay. Audacio, c'est une structure qui a fait podcast dans plusieurs langues qui aux États-Unis. Mm-hmm. Monsieur a contacté moi pour podcast. D'ailleurs, c'est eux qui pourraient connecter d'Aiva et mettre sur Spotify avec l'autre plateforme. Yo. Donc, je dis, j'ai vraiment envie de faire un travail historique. Et je dis, c'est no more. Non, on va le travail. Et puis, j'ai appelé mes étudiantes. Pardon. J'ai appelé mes étudiantes, mettez mesdames et chitam, mesdames et messieurs, mes projets que moi joigne et que moi t'as aimé faire avec nous, et mesdames et messieurs, Duve Lacheristal, Stéphanie François avec Michael Scholl. Puis les filles ont embarqué là-dedans. Donc, nous faisons recherche ensemble. Bien entendu, moi j'étais dans les parce que j'ai plus accès à des documents, mais quand même, il y a des historiens bon, ici, là. Mesdames, ils rédigeaient, nous entrons dans le studio. Dernier épisode, là, ils entrent dans le studio sans moi. Mm-hmm. Sans moi, ils entrent dans le studio à travailler. Donc, Neges Djougan, c'est comment parler de héroïne paysanne dans perspective féministe. Parce que pas oublier que pas grand pile document qui parle vraiment sur mesdames. C'est comment faire des épisodes côté que dans angle épisode là on a insisté sur le fait que nous sommes pays côté que femmes à garçons mettaient campé. Nous sommes pays c'est pas de indépendance qui te prend puis à chercher un cargaison femme vienne mettre là non. Mesdames, yo jouer un rôle fondamental et bataille moun an de pays ça son bataille qui était toujours impliqué femme kou garçon et bataille féministe an de pays ça m'a rendé avec bataille peuple. C'est pas une bataille qui déconnecté, c'est pas une bataille. C'est pas une bataille comme t'as expliqué ça là. Là nous prenons Neges Djougan, là nous prenons dynamique rapport dans colonie. Mm-hmm. Femme à garçon. Il est clair que là que gen moins femmes dans colonie parce que tu as besoin plus bras garçon. Gen moins femmes dans colonie parce que tu es plus mal nourri, ou mouri plus vite. Moins femmes dans colonie parce que alors moins femmes dans colonie et moins femmes tout dans espace champ yo et parce que tu es moins tout court mais tout parce que tu es vraiment quitté mesdames en pile fois dans espace maison yo tout. Tu gagne dans champ, tu gagne capable du dans champ tout. Mais dans espace maison parce qu'en fait caractéristique enfin, spécificité esclave, alors captive femme, non? C'est que c'est ton jouet sexualité pour blanc. Mm-hmm. L'être tête, c'est pour petite blanc tout. Donc, c'est, dans Neges Djougan, c'est font état des lieux. Dis, mais qui j'en s'attaye? Et pour Neges, tu es goumé tout, tu es obligé de goumé dans forme pas. Goumé dans marge côté. Tout l'être de tes dans marge, mais goumé dans marge que tu es poussé. Empoisonné en de kai. Avorté et les mesdames étaient qu'on sauvé qui était enfin pour yo maon tout pour y aller faire des communautés gien pile fois moi dans les recherches que j'ai trouvé dans les recherches de anthropologue et antillaise et tout bah, mesdames qu'on rivé dans espace côté nèg maon yo dans maonage là et puis n'a décidé yo pas sous l'ordre qu'un garçon y aller faire propre champagne. Et ça, c'est important pour qu'on connaisse la dimension du travail. Dans les systèmes, déjà, on bataille. On bataille pour les gens, parce que les blancs démonisés. Et on bataille tout pour qu'on ait un rapport avec les garçons. Parce que
discussion que tu as gagné et ça nous parlait dans le dernier épisode là, c'est que oui, telle héroïne c'est madame et telle. Mm-hmm. Donc why not? Dis comme madame et telle. Qui quand toi passer dans système patriarcal chrétien, on est en 1780, quand toi passer pour qu'un des âmes. Si nèg là pas frère ou pas mari. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Donc Neges Dugan, c'est ça. C'est vraiment faire des réflexions sur la bataille, sur qui j'en vais avec ta bataille. Et puis, nous allons dresser des portraits, tout. Mais pas gagner un pile d'éléments. Et puis, bon, les gens qui écrivaient les bouquins sur les héroïnes, la ravissante, claire et heureuse. On s'en fout qu'elle était. Qui me l'aime, elle était ravissante? Nous pensons qu'on qui s'en est la faire. Tu vois, il y a quelque chose, même dans l'écriture, même dans l'élaboration du document. C'est comme oui, c'est que tu vois, on s'en fout. C'était une lutte. Tu vois, c'est, vous comprenez, mais c'est mais même dans la rédaction, hein, même dans la rédaction. Et par exemple, tu as un pile mesdames qui étaient espionnes, mesdames qui étaient espionnes, mesdames qui étaient vraiment littéralement couchées avec des pour jeunes informations, pour jeunes munitions et tout. Mesdames, travail. Et plein de batailles là, ça, vous mais de là, me dire que, oh oui, c'était une milatresse, c'était un pile chambre, on s'en fout! On s'en fout! Nous, nos stratégies bataille, nos intelligences en bataille, nous, nos bagailles côté que. Et on pas jeune, dit ça de monsieur. Non, on pas jeune, dit ça de monsieur, parce que je suis désolée. C'est pas que. Moi, désolée que mesdames aient obligé de passer par Koyo pour jeune des bagailles. Mais nous, nos systèmes patriarcal, nous, nos systèmes patriarcal côté que. C'est on marginalise à col. Donc le esclave là sorti à col. Pas mal poser un jugement sur ça. Ouais ça me dit non, c'est pas non, ce sera que j'ai battu. Donc n'engage du gang 10 épisodes et nous comptons faire un projet avec comédien yo dans nord et le n'a pour nous faire pour passer dans ticket. Mhm. Un petit nord là, choix nord pas innocent. Oh oui, mon cher. Bah là pété là 1791 et non non oui monsieur a boulé mais yo mettez ville à feu et à sang monsieur pas d'accord parce que ce qui se passait c'est que Saint-Domingue t'es besoin retirer col sous l'obédience métropole là yo t'es besoin comme si gon indépendance c'était ça c'était à la mode mais pendant y a goumé pendant blanc colon yo a goumé pour yo gain contrôle et métropole là pour posséder métropole là vinn gain lutte de classe. Ça veut dire affranchi et mulâtre, petit blanc, tu vois. Et puis, il y a goumé parce que mulâtre a estimé que lui-même a un pouvoir. Tout. Et puis, pendant qu'il y a goumé, il y a des âmes dans les esclaves. Il y a goumé. Et puis, il y a une armée vraiment formée. Il y a une liberté pour venir goumé pour la France. Pour goumé pour la France, pour goumé pour la colonie. En tout. Maintenant, dans cette lutte, les gens font oh, eh bien, je vais vous envoyer une vidéo. Ça gueule là, ils ont radicalisé le mouvement pour liberté. Yeah. Et c'est malheureusement nous avons un pays qui est indépendant avec problème classe sociale qui était déjà en vent l'indépendance. Ça veut dire que où tu le vois, tu vois ça. Et donc c'est un petit peu ça les gars qui racontent ces histoires là. Et sincèrement Cindy, moi qu'on est moins passionné de projets qui fait m'apprendre. Et même par rapport à mes travaux dans Neges Mahon, par exemple, où je dois faire des créations ou faire des ateliers, le fait que je dois faire des recherches et tout, pour moi, c'est l'école. Et donc, Neges Dugan, partager des documents, mesdames, yo, nous lit en pile, et puis nous raconter l'histoire, nous vibe dans le studio, et puis on va adapter pour la scène, pour le Nord, nous venir. Ok, là, c'est pratiquement passé. Parler de toute bagarre oui, avec vous. Oui. Est-ce que vous avez un sujet pas abordé avec vous? Oui, parce que le sujet pas abordé, mais pour revenir à l'école, oui. Pour revenir à l'école, et si vous êtes vraiment intéressé à faire ce temps, en fait, il faut que vous ayez temps pour faire l'école. Là. L'école fonctionnait mercredi, jeudi, vendredi. On est entre 2h et 5h de l'après-midi. Ça va dépendre du coût que vous avez. Nous avons. Jou samedi, son gros bout de journée lié, soit Adventiste, que me fait mal pour vous, cher ami, parce que nous n'avons pas aucun autre choix, puisque nous avons besoin d'aérer le calendrier pour que les étudiants qui ont cours le matin viennent, les gens qui ont l'autre activité capable de venir, et samedi, c'est idéal pour nous avoir une belle journée de travail sous quoi avec vous. Donc, pour horaire, c'est comme ça.
l'homme soit venir dans l'acte, faut qu'on ait quoi son l'école vin li en pile, on fait en pile recherche, faut qu'on envie faire étude là. Et nous à chercher de monde qui nos dynamique recherche. Même si c'est tête ou à chercher en termes d'artiste, mais il y a une intensité, une grande profondeur. Nous non ça intéressé. Et puis nous intéresser tout avec des jeunes qui très dynamiques. Par exemple, ma pour retourner sous Cantave avant qu'elle devienne l'école là, il faisait des choses dans sa communauté. On a dit le fiel n'est qu'à foi. C'est un truc de dingue. Il était déjà dans des trucs dans sa communauté. Nous intéressait beaucoup avec des jeunes qui estimaient que il fait partie d'un projet qui est plus gros par ses têtes. Nous intéressait à ça un peu. Nous intéressait au fait que enfin, faut me sentir que transmission intéresse, faut me sentir que création intéresse, vivre ensemble intéresse, parce que c'est quand même un métier où il faut quand faut nous vivre ensemble. Et puis au premier j'ai fait théâtre toute vie. Pourquoi avoir fait métier à ou faire pendant autant? Tu fais autre chose. Souvent c'est pas complexe. Non. Problème c'est que obligé quitter parce que pays y a une précarité et tout. Mais en vrai, son belle expérience de vie. Et hop, tout le monde qui fait théâtre pour un moment dans la vie, qui parti ou bien qui font l'autre, qui changent de carrière, il y a des belles souvenirs. Il faut consacrer un temps pour faire, ou faire pendant un temps, mais vraiment, tu t'y consacres. Et on passe un bon moment, c'est promis. Allez sur nos pages pour les infos, pour les numéros, et puis voilà. Inscription finie, oui? Pas mando qui là? Pas fait bouche, non. Pas fait même. Alors, les auditions, c'est fin juin. La dernière semaine du mois de juin, c'est pour les auditions. Donc, il faut qu'on ait un inscrit pour un texte dans le monde. Souvenez-vous, 20 juin. Qui l'a préparé le texte pour venir passer l'audition? Il faut qu'on soit à l'aise, donc venez inscrire pour un texte dans le monde. Et qui bon adresse là encore? Et 18 impasse Baron toujours. Ou qu'on venez inscrire lundi, mercredi, vendredi, entre 10h et 2h. J'avais dit 2h ou 3h. Bref, arrive vers 10h, 10h30. Et puis, relais tout. Nous avons notre téléphone qui sous page nous. Écris-nous sur haitiact@commercial.gmail.com et pour capable visiter notre site internet www.acthaiti.com. Merci à toute l'équipe de l'école, merci à David, merci à Amos, merci à Paola et puis Joanna. Merci aux étudiants aussi qui comme t'as expliqué ça là, Timounio, c'est un cas dit, yo prend review au sérieux. Geti moun nan promotion là qui prend review au sérieux. Tafa, elle s'est inscrite pour enfin, li pa gen tan. Et puis Tafa dit OK, gars, m'a suivi cours formation d'acteur là. Moi, je vois ce que l'école a fait sur elle. En ce moment, yo non atelier d'écriture dramaturgie avec un dramaturge poète qui est Kwame Tawa. Donc il a suivi cours à distance. Timoun a produit, il a écrit. Et j'ai dit, ta femme dit pourquoi ça? Ta femme, j'ai temps pour faire toilette, mais grave, j'ai temps. Moi, j'ai besoin d'écrire, faut me faire. Et ça me fait plaisir. Il a monté des sons là, je vais passer par là. Il y a un atelier. Néhémie, j'ai un temps pour l'atelier. Tout le monde, j'ai un temps pour un atelier. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire, si mon yo gon disons à tête, yo, yo kembe. Là, ça me besoin. Mais si des étudiants qui ont besoin. Après, il y a la vidéo sur YouTube où on explique l'école, où je remercie les partenaires aussi. Et donc voilà. Merci, Ticket. Merci, Gaëlle. C'était vraiment un plaisir pour nous parler avec vous. Nous parler en pile, je dis. Yes. Et nous, n'attendons l'autre projet. N'attendons pour nous accueillir là. Et merci à tout, à vous-même qui t'avez regardé. Merci à l'équipe technique là. Même oublié nos Abdon, Gerdi. Merci à Gaëlle Alexis pour le maquillage là. Donc, moi-même, Cindy Ducrépin, n'a pas cassé rendez-vous. Pour une prochaine fois et bien sûr avec un autre invité. Bye bye tout le monde, à bientôt.